considérer que j'habite à Bourges. Alors, la question que l'on pose à tout le monde, que pensez-vous de François Hollande? Le travail n'est pas bon. Tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est pas du bon travail, alors il n'est pas à sa place, je pense. Vous pensez qu'il n'a pas l'envergure d'être un homme politique? Non. Alors, autre question, que feriez-vous? Quelles seraient les réformes que vous mettriez en place pour essayer d'améliorer toutes les affaires de notre pays? On n'a pas de réforme. Le problème de la France et beaucoup de pays européens, c'est les capitalistes. Voilà, là. La soumission à l'argent. Voilà. Ouais. Et alors actuellement, la question d'actualité, l'Angleterre vient de quitter l'Union européenne. Pensez-vous que la France devrait en faire autant? Oui. Oui. Vous pensez que ça serait une bonne chose pour elle? Oui, ce serait une bonne chose. Et tant qu'à faire, si on sortait de l'Union européenne, est-ce qu'il y a des entreprises stratégiques que vous penseriez utile de nationaliser? Déjà, verriez-vous un intérêt à la nationalisation de certaines entreprises? Je sais, honnêtement, je ne sais pas. Que vous disiez être assez fâché contre le capitalisme, au final. Je suis assez fâché. Donc, le laisser finalement des capitalistes acquérir des gros monopoles nationaux. Ils ont déjà tout acquéri de toute manière. Et vous pensez qu'on ne peut pas revenir en arrière ou récupérer ces entreprises-là? Je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. Une dernière question. Je ne sais pas. Quels sont vos moyens d'information pour vous tenir au courant de ce qui se passe à travers le monde ou Internet et la télé. Internet. Et sur Internet, vous allez sur quel site en général? Je vais sur Google Actualité et puis j'ai toutes les informations. Je ne cherche pas une information en général. Je m'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. D'accord. Okay. Ben, on vous remercie beaucoup, monsieur, beaucoup, monsieur, et on vous souhaite une excellente journée. Merci vous aussi, puis bon courage à vous. Alors, bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous nous donner votre prénom et votre ville de résidence? Sabrina, et j'habite à Bourges. Alors, première question, que pensez-vous de l'actuelle présidente de la République française? Franchement, je vais vous avouer un truc, parce que la politique et moi, ça fait deux. Oui, comme beaucoup. Je n'y connais rien du tout. Et alors, donc, est-ce qu'il a l'envergure d'un homme d'État à vos yeux? Franchement, bah, que ça soit Hollande ou comment il s'appelle? Sarkozy pour ouais, le précédent. C'est les deux mêmes, quoi. Oui, vous pensez que la politique de Monsieur Hollande est à l'identique de celle de Monsieur ouais, Sarkozy? C'est vrai, ouais. Alors, autre question, que pense vous seriez à la place donc à la présidence de la République, quelles seraient les mesures que vous penseriez importantes à prendre pour redresser notre État? Franchement, j'en sais rien. Là, je ne peux pas vous dire exactement. Parce que franchement, j'y connais rien dans la politique. Donc... Disons, qu'est-ce qui vous trouve. Qu'est-ce... Sans être experte, hein, c'est plutôt qu'est-ce qui vous semblerait important d'améliorer. excusez-moi. pour que les choses soient un peu mieux. Quelles sont les grandes thématiques Déjà, qu'il y ait moins de chômage pour n'importe quelle personne, quoi. Que ce soit blanc, beurre. Tout le monde travaille, quoi. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais. Et question d'actualité, les Anglais sont sortis de l'Union Européenne. Penseriez-vous que il serait bon que la France suive le même chemin? Non, je ne peux pas me répondre ça. Alors une petite question subsidiaire, vos moyens d'information. Est-ce que vous parcourez l'Internet pour vous informer? Internet, ou... les infos. Vous allez sur quel site quand vous avez envie de vous informer? Je suis sur les infos France 2, France 3. D'accord, les sites des grands médias de France. Ouais. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup, madame. La seule mesure qui sera acceptable aujourd'hui, c'est de faire comme les Anglais. Quitter l'Europe. Voilà, vous êtes partisan de... Ah, moi, je suis partisan. Okay. Alors, si qu'est-ce que ça m'a rapporté? C'est pas pour moi. Moi, rien. Le kilo de pommes de terre aujourd'hui, il vaut combien en francs? Oh là, 27 est... à 30 francs. Voilà. Je pense que dire, parce que, la baguette à 6 francs. Presque 10 francs. Presque 10 francs. Presque 10 francs dans certains coins. Non, on n'a rien. Émeric et j'habite à Bourges. Alors, première question que l'on pose généralement, c'est que pensez-vous de l'actuel président de la République? Moi, c'est... C'est kiff-kiff. Kiff-kiff, c'est-à-dire? Ouais, il y a 50% de bons et 50% de moins bons. D'accord. Alors, autre question, vous seriez à la place, donc, à la présidence de la République. Quels seraient pour vous les domaines dans lesquels il faudrait intervenir rapidement pour redresser notre nation? Le travail et les locations.
Les locations Les appartements, les maisons pour les personnes qui sont dehors. Oui, mettre à disposition des centres pour... Les maires puissent faire valoir leur droit de préemption pour pouvoir occuper des maisons vides. Tout à fait. D'accord. Et alors, une petite question comme ça d'actualité, vous êtes au courant que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, a quitté l'Union européenne. Vous seriez partisan pour que la France suive le même chemin? Non. Non? Pour qu'est-ce qui vous semble intéressant dans cette union? Bah, on est tous bien là-dedans. Ouais, vous pensez? Bah, pas tous, mais... Vous informez via Internet, via d'autres médias? Internet et les infos, à la télé. Et sur Internet, vous allez sur quel site à peu près pour vous informer? Tous les sites, hein, tous les sites d'infos. Est-ce que vous entendez, enfin, est-ce que vous connaissez M. Chouard ou M. Rabhi? Non. Non, ce sont les gens qui, notamment Étienne Chouard, qui parlent sur la démocratie participative, Pierre Rabhi qui parle de l'agriculture autrement, tout ça, c'est... Non, je connais. Bah, écoutez, monsieur, on vous remercie beaucoup pour votre temps et on vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Au revoir. Vous êtes là. J'habite à Truy. Première question qu'on pose à tous les Français qu'on leur rencontre. Que pensez-vous de l'actuel président de la République? Qu'il n'est pas mieux que les autres. Vous avez une particularité, non? Non, je dirais que la place, elle n'est pas facile. Et voilà, la solution, je ne sais pas si quelqu'un l'a. Autre question que l'on pose, c'est vous seriez à sa place. À votre avis, quelles seraient les mesures qu'il faudrait entreprendre pour pouvoir... redresser les affaires du pays? J'ai pas de solution, je pense pas. Non. Sans être expert, simplement déjà ce qui vous semblerait urgent, là où il faudrait mettre l'accent de toute urgence. Là où il serait bon d'intervenir en premier lieu. Je sais pas, baisser les taxes, mais je pense qu'ils en ont besoin, donc je sais pas si c'est une solution. Ça peut correspondre. Alors tant qu'on est dans l'actualité là, vous avez appris que les Anglais avaient quitté l'Union Européenne. Voilà, oui, récemment. Vous seriez partisan que la France suive ce même chemin? Le problème, c'est que reculer après tant d'années, je sais pas. Vous pensez que c'est un recul que de quitter l'Union Européenne? Oui, je pense, depuis surtout la monnaie euro. Ouais. Vous étiez favorable à l'entrée de l'euro? Non, pas du tout. Je pense qu'on a perdu beaucoup à passer en monnaie euro. Ouais. Ok. Voilà. Dernière question, est-ce que vous vous informez un petit peu sur Internet? Non, je suis pas... Du tout, vous utilisez les médias habituels Non, la télé, principalement, non, je suis pas très, très téléphone portable, très informatique, non, je... D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Alors, mon prénom, c'est Christophe, et mon lieu de résidence, c'est Saint-Florent. Saint-Florent. Alors, première question, que pensez-vous de l'actuel président de la France? C'est une catastrophe. Une catastrophe? Ouais. C'est une catastrophe. Ouais, pas de... C'est des promesses et puis il n'y a rien. Ouais. Alors, deuxième question que l'on pose à tout le monde, c'est, vous seriez à sa place, quelles seraient les mesures que vous entreprendriez pour redresser les affaires de l'État? Les mesures... Qu'est-ce qui vous semble en tout cas important, sans être forcément technicien ou expert, mais des points où il faudrait commencer à mettre un petit peu l'accent? Il faudrait relancer le travail, hein, pour les jeunes. Vous pensez qu'ils n'en font pas assez là pour... Je pense. D'accord.
Et au niveau d'information, vous suivez la télévision, un journal, la presse écrite ou la radio? De temps en temps, je suis info. Ouais. Les infos TF1 ou ouais. Antenne 2 ou choses comme ça. Ouais. Ça vous arrive de vous informer via Internet? Oh non, rarement. Vraiment. Rarement, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser l'outil? Si, de temps en temps, mais je regarde. Ouais. Et si l'on vous donnait la possibilité au sein de votre commune d'établir des lois et de les voter? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous seriez acteur un peu comme il se passe actuellement en Suisse où ils effectuent des référendums pour savoir... Ou en Angleterre. Ou en Angleterre dernièrement qui a quitté l'Europe. Vous seriez partisan de quitter l'Union Européenne? Faut voir, oui. Vous pensez que ça serait une bonne chose pour la France, qu'elle retrouve sa souveraineté nationale? C'est possible. C'est possible. D'accord. Vous travaillez dans le monde agricole, Oui. Et je suppose que vous êtes lié, vous recevez les, enfin, vous êtes assujetti à tout le bordel de la PAX. Pas moi, parce que moi, je suis juste, je reçois, je suis pas agriculteur, je reçois le grain, j'en fais pas partie. D'accord. Okay. Je travaille pour une coopérative. Et en général, que les agriculteurs avec lesquels vous discutez, ils sont plutôt remontés contre l'Union européenne ou pas? Ils ont les, vous savez, ils ont les, il y a le pour et le contre. Ouais. Sont partagés entre ceux qui y trouvent un intérêt et ceux qui sont plutôt massacrés ou abîmés par l'Europe. Les pays de l'Est, ça les a beaucoup aidés. Ouais. Ils ont pu exporter beaucoup plus au niveau de la Pologne et tous ces pays-là. Ouais. Ça les a beaucoup aidés. Et il y a eu des... quand on avait eu des velléités là, avec la Russie, est-ce qu'on vous a parlé de perte de possibilités d'exportation? Oui, pendant un moment, oui. Ça... J'en avais écouté parler, oui. D'accord. Ça s'est arrangé. Mais... Bah écoutez, monsieur, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. J'ai fait ce que je pouvais. Merci. Merci à vous.